Les scientifiques décrivent aujourd'hui la gratitude comme le lubrifiant du cerveau. Lorsque vous êtes reconnaissant, votre esprit devient plus agile, il devient plus souple, il s'adapte mieux. Si je puis m'exprimer ainsi, lorsque vous êtes reconnaissant, vous devenez tout simplement plus intelligent. Et les personnes plus intelligentes ont plus de capacités, plus de potentiel, plus d'opportunités et plus de succès. Les personnes les plus heureuses du monde apprennent à prendre l'habitude d'être reconnaissantes plutôt qu'énervées, tristes, anxieuses ou stressées. Et comme toute chose, c'est un muscle qu'il faut entraîner. Il est impossible d'être à la fois en colère et reconnaissant. Dans toutes les situations de la vie, vous pouvez être assis dans les embouteillages, vous pouvez être contrarié d'être dans les embouteillages, vous pouvez penser que c'est injuste, comment les embouteillages peuvent-ils m'affecter de cette façon? Ou bien, vous pouvez être assis dans les embouteillages et vous dire, waouh, quelle chance j'ai de conduire une voiture, quelle chance j'ai d'avoir ce temps à moi pour reprendre mon souffle, pour être avec moi-même, pour écouter de la bonne musique, pour avoir de l'argent, pour acheter de l'essence, pour avoir des yeux qui peuvent voir le trafic, pour avoir une jambe qui peut appuyer sur la pédale d'accélérateur de votre voiture. Il y a toujours un changement de paradigme qui peut se produire, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Mais la première chose à faire est d'y travailler. Nous devons nous entraîner à devenir